Yo tout le monde, c'est bien Mécanis31 et on se retrouve pour le dernier épisode de ce mode Coupe du Monde World Cup en mode carrière et on va jouer cette finale face à la Belgique. Ça va être tant d'axes, bon je pense moins que les matchs précédents qui étaient face à l'Allemagne et face à l'Espagne. On va faire d'ailleurs un résumé de notre parcours. On a gagné en demi-finale 3-2 face à l'Allemagne, on a gagné en quart de finale 2-1 face à l'Espagne et on a gagné 2-0 face à la Croatie, la Belgique qui a gagné 3-2 face à la Russie en demi, 3-1 face au Brésil en quart et 4-0 face à la Pologne. Ah oui, ils ont mis la quéquette à la Pologne. Juste, on va voir la phase de poule, on avait fini deuxième de la phase de poule, on est où? On est là, voilà. Deuxième avec 6 points, le Danemark qui avait fini premier. Je me rappelle plus comment c'était et qu'est-ce qu'ils avaient fait la Belgique. Ils avaient fini premier avec 7 points. Après ça a été l'Angleterre, la Tunisie et le Panama. Ok ouais, ils ont été tranquilles. Du coup on est parti pour ce match. Bon, on avait fait un parcours compliqué en première partie. On va jouer en bleu, ils vont jouer en rouge. Lukaku ensuite, c'est l'équipe normale. Ok, on est parti pour ce match, cette finale. C'est vraiment le match le plus important. Bon, en même temps, c'est normal, c'est une finale. Toujours à Moscou, au stade que j'arrive pas à prononcer. 80 000 personnes, toujours créé en 1956. En même temps, je pense que c'est le stade principal de la Coupe du Monde. On va voir l'équipe mise en place du côté de la Belgique. Grosse surprise quand même que la Belgique soit en finale de Coupe du Monde. Qui c'est la star? Ah, c'est De Bruyne. Je pensais que ça allait être Hazard, la star de la Belgique. C'est un peu bizarre. Ouais, possible. Bon, bref. De toute façon, c'est quand même une belle équipe qu'ils ont. La Belgique doit avoir Kompany, Hazard, De Bruyne, Lukaku. Bon, Lukaku, on sait qui est. On l'a vu au tout début. Voyons leur équipe. On s'en fout de ça. Ah, ouais, c'est bizarre. Coup d'envoi, 18h. Ah bon? Je pensais que ça allait être à 21h, c'est un petit peu bizarre, je comprends pas trop, mais bon, faut pas trop chercher à comprendre. L'arbitre qui prend le ballon de la Coupe du Monde, l'Allemagne qui avait fini 3ème d'ailleurs. Voyons l'équipe mise en place, oh qu'elle est belle, oh qu'elle est belle. Il ne faut surtout pas la toucher ou ne pas la regarder. Grisou et Mbappé qui ont l'air concentrés avec les marres. Voilà, on peut voir qu'il y a Hazard, Lukaku, ça va centrer en masse, je pense. Ouh, c'est beau, oh, c'est beau, le suspense à la mort. Ok, Lukaku, bon, De Bruyne, Mertens, il me semble que c'est le 21, je sais pas qui c'est, bon, De Bruyne, Fellaini, non, peut-être, je sais pas. Ah non, c'est Witzel, ok, Thomas Meunier, ensuite le reste, j'ai pas eu le temps de voir. Ouais, voilà, c'était bien Mertens, on peut le voir. Du coup, on est parti pour ce match de finale. Ça va être tendance. Franchement, c'est le stress, c'est la panique. Oulala, De Bruyne qui m'a fait une feinte pour commencer. Il a l'air chaud, il a l'air motivé de fou. Il va falloir se calmer, De Bruyne. Je vais pas te mentir. Tu vas pas commencer à me les briser. Il faut qu'on joue calme. Faut qu'on joue calme, pas pressé. C'est une finale. Hein. Ouh, waouh, dur, quel tacle. Ah oui, il y a Carrasco, c'est vrai aussi. Je ne l'avais pas reconnu, en même temps je l'avais pas vu je crois. Et le reste, on ne sait pas ce que c'est l'équipe. Kompany, Vertonghen, ah oui c'est vrai. Ouh, attendez, allez, Mbappé, oui, c'est dégueulasse. Ah, il y a Courtois, c'est vrai qu'ils ont Courtois quand même. Ils ont une très belle équipe, la Belgique, c'est chaud. C'est très très chaud, belle équipe. Je pense que De Bruyne va centrer. Ouh là là, c'était risqué, c'était osé de tenter ça. C'était cadré quand même. Hein. Oh, le petit crochet, c'est bien joué ça. Hop, pour Mbappé Lotin. Fait une petite feinte, redonne là. En rouge, ça. Oh là 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 là, c'est passé pas si loin que ça, les mains. Attention, Lukaku, il est physique. Non, 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 non. Wow, il s'est raté. Je sais pas comment il a fait Carrasco là. Il s'est raté. Il n'y avait plus personne dans le but. On a de la chance. C'est un match crispé. Ça se voit que c'est une finale de Coupe du Monde. Les deux équipes vraiment qui jouent beaucoup au milieu de terrain. Oh, oh oui. Non, ça a été contré. Dommage. Sinon, on aurait fait un face-à-face avec le gardien. Oh oui, Grisou. Oh oui, Grisou.
Un rouille? Non, c'était contré dur. Bon, ben c'est la mi-temps, 0-0, le match est crispant comme une finale de Coupe du Monde, j'ai envie de dire, c'est un peu normal, 3 tirs partout, 0 cadré pour nous, 2 cadrés pour eux, la possession est en notre faveur, mais bon, vite fait quoi, j'ai envie de dire, pour 1%, ça va pas changer grand chose, Dembélé est déjà cuit, oh relou lui-même les mains. Oh, je pensais pas que ça allait être à lui? Non Grisou, aïe aïe aïe, je croyais qu'il allait avoir, la touche pas, ouf. J'ai eu peur qu'il la touche à ce qu'on démarre. Hein. Aïe 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 aïe, ça va être tant d'axes. Heureusement que je joue pas en légende, que je joue qu'en champion parce que je pense qu'en légende j'aurais passé. Oh oh non! Mais c'est qui? C'est Vertonghen qui l'a sauvé sur la ligne. Il était battu. Courtois, oh dur. Oh, Mbappé qui est tout seul. Allez, la barre. On manque de chance. On manque cruellement de chance. Oh, Grisou. Et allez, oh là là, on a eu 3 occasions en 5 minutes, enfin à peu près 5 minutes quoi, et on a raté les 3, c'est n'importe quoi. Oui, je disais, heureusement que je joue pas en légende, parce que sinon je pense que j'aurais passé les poules et c'est tout. Hein. Oh là, oh non, ouf, bien joué Mtiti. Ça, en principe, c'est la douille, hein, quand t'as tant d'occasions, le karma est contre toi après. Oh là 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 là, j'y ai cru, il n'y avait même pas faute. Oui, allez, oh c'est bien joué ça, N'Golo. Allez Grisou, on va tirer, on tire. Non, mais c'est à côté, mais qu'est-ce que tu fous Grisou? Oh là 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 là, on gâche trop d'occasions. En deuxième mi-temps, ils n'ont pas tiré une seule fois, il me semble, la Belgique. Après, je peux me tromper parce que je ne me rappelle pas de tout. Ah putain, ça me dégoûte. On va aller aux prolongations en principe. Je vais pas me porter la guigne, mais voilà quoi, c'est bientôt fini. Sif. Bon, c'est la mi-temps. Enfin, la mi-temps. C'est la fin du temps réglementaire. C'est les prolongations. Du coup, regardez. Oh là 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 là. On a dominé la seconde période. 9 tirs à 4, 2 cadrés de chaque côté. Bon, ils ont repris la possession, je sais pas si je fais un changement ou pas. Qui c'est qu'on peut faire entrer? Je sais pas du tout. Lemar est vraiment mauvais. C'est de pire en pire. Hein. Vas-y, on va faire entrer Thauvin. On va le mettre à gauche. On s'en fout, même si c'est un AD. C'est pas grave. Allez, let's go. J'espère qu'on va gagner parce que là, c'est tendu. On n'a pas de chance. Ouais, il a tenté un enroulé Eden, mais vraiment dégueulasse, hein, 20 mètres à côté. Allez Mbappé. Oh là 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 là, il avait mis le pressing. Aïe aïe aïe, dommage. Ils étaient en panique en vrai. Oh attention. Bien joué Hugo. Ouh là là, De Bruyne avait fait un 1-2 et il avait tiré. Et heureusement Hugo a été vigilant. Hein. Vermeulen qui rentre, attention. Oh là là là, ils ont fait rentrer Fellaini aussi là, à la mi-temps. Au truc des prolongations, voilà quoi, ils ont fait rentrer du monde. Oh bien joué ça Grisou. Grisou pardon. Oh Grisou. Oh il est tout seul. Tire Grisou. Mais putain Courtois, mais qu'est-ce qui t'arrive à être on fire comme ça là? Ça sent vraiment les tirs au but là. Aïe aïe aïe, c'est dégueulasse les tirs au but, c'est pas possible. Oh, quoique Mbappé. Mbappé, non, mais Fellaini, tu saoules. Attention quand même. Ouais, allez. Ouh, attention, N'Golo qui a eu un ballon de la tête. Et voilà, les tirs au but, c'est le pire, quoi. Ouais, ils sont revenus quand même, la Belgique. Pogba, Ousmane. Ouais, ben, on va laisser comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise hein? On va laisser comme ça et on est parti pour cette séance. Oh, ça fait peur masse, là. Oh, relou. Attention, bien joué Hugo, alors que j'ai reçu un message. Ah mais merde, c'est moi qui tire, ok. Je t'ai perdu. Bien joué Paul, ça c'est bien fait. Oh non, j'aurais dû tirer au milieu. Bien joué au milieu, Ousmane aussi. Allez, si tu pouvais l'arrêter, Hugo. La course d'élan. Oh, il a voulu faire une panenka. Oh, l'escroc. Il a voulu faire une panenka. Allez, Grisou.
Bien joué, en force, Grisou. Allez, attention, De Bruyne. Ah merde, il a mis, c'est dur, il a mis. Est-ce que je porte mes corones? Est-ce que je tente la panenka? Et où? Non, le poteau, putain, je l'avais tenté. Oh là 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 là. Dur, ça fait poteau. Ah, en plein milieu, il s'est pas emmerdé, Carrasco. Hein. Allez, Thauvin, fais kiffer, c'est toi qui peux faire gagner la Coupe du Monde. Et oui, oh, le pénalty fourbe. Oh, le pénalty fourbe dégueulasse. Et c'est Thauvin qui nous fait gagner la Coupe du Monde. Oh, magnifique. Dommage, Mbappé, il avait fait une panenka poteau dure. À 10 cm, ça faisait but. Bien joué, mon équipe. Solide, solide au pénalty, c'est le pire. Franchement, c'est le pire de gagner une Coupe du Monde au pénalty, même si c'est une Ligue des Champions et tout, c'est dégueulasse. Sous le bras, il a même pas de chance. Courtois, est-ce qu'on va voir soulever la coupe? Le public est en feu, ils sont en full feu, le public. On a été champion du monde, 0-0. Grâce au tir au but, on a gagné. Oh, ils sont déçus, ils sont déçus. Ils sont déçus, les Belges, c'est moche, mais en même temps, on a gagné, nous. Et franchement, c'est vraiment très, très beau. Ils fêtent le titre, ils fêtent le titre. Bon, c'est dommage pour Ousmane parce qu'il est sorti. Ah non, c'est Lemar qui est sorti. Qui c'est qui va lever la coupe? Et oui, forcément, c'est Hugo. On se souvient de l'image de... Thauvin est content, hein. Ouais. Oh, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle, cette coupe. Elle est belle. Elle est magnifique. N'Golo qui est content. Et c'est Hugo qui va lever la coupe. Comme en vrai. Bien joué, Hugo. On est refait. C'est magnifique. On a gagné la Coupe du Monde. On l'a gagné. Quel chanteur que je suis. Bravo, public, j'allais dire. Bravo, Hugo. Les petits confettis en bleu et blanc et le rouge est où, on sait pas. J'espère qu'en vrai, la France fera pareil. Ça serait tellement beau. Le petit feu d'artifice, comment c'est. C'est beau, c'est magnifique. C'est exceptionnel. La petite photo pour montrer qu'on est champion. Il n'y a pas toute l'équipe là. Ça, c'est vraiment moche. Hein. Ils n'ont pas respecté l'équipe. Hein. Et il est où Dédé? Il est où avant d'être remplacé par Zidane? Peut-être. Ah, et c'est fini. Ok, c'est fini, d'accord. C'est fini. C'est exceptionnel. On est champion du monde. Bon, c'était quand même assez équilibré comme d'habitude. On n'a pas la possession et on peut voir le résumé. On a gagné 4 à 3 au tir au but et ça, c'est vraiment beau. Je sais que... Hein, on va aller voir vite fait les buteurs. C'est Lukaku qui a fini premier avec Werner, Higuain, Kokorin et Mbappé a fini 5e quand même. Pas mal. Griezmann 7e et je pense qu'il n'y en a pas d'autres de notre équipe certainement. Ouais, bon, il n'y a pas d'autres personnes. Au niveau des passes décisives, Griezmann premier avec Mbappé. Ensuite, c'est Messi, Vertonghen. Ah oui, un défenseur carrément qui est quatrième, Ozil. Et au niveau de l'invincibilité, c'est Neuer. Ensuite, c'est Lloris, carton jaune, Biglia. On s'en fout un tout petit peu. Oui, je sais que ça n'a pas trop marché, ce genre de vidéo. Mais bon, voilà quoi, ça me faisait plaisir et j'avais envie de faire ce genre de vidéo et ce mode un peu carrière compétition de FIFA World Cup et ça c'est vraiment très beau. Voyons ce que ça dit. Un pays célèbre la victoire. France, tout un pays célèbre la victoire. Oula, Griezmann remporte le ballon d'or. Ah oui, carrément. Ou Grisou, il est content. Regardez ça, Grisou, il est content. Ah ok, c'est tout. Il s'en bat les couilles. Il montre juste ça. D'accord. Ah oui, non, mais c'est le ballon d'or de la Coupe du Monde. Ok, l'équipe de la compétition pour voir. Hugo qui est dans l'équipe. Mendy, Boateng, Vertonghen, Sidibé, Lemar,
Kanté, bon normal. De Bruyne, Müller, Griezmann, Werner, Mbappé n'y est même pas. Ok, Werner termine meilleur buteur, le meilleur gardien de la compétition. C'est Manuel, ok, Manuel, et pourtant c'est Hugo qui est dans l'équipe type, ça c'est pas hyper logique, faut pas chercher à comprendre. Du coup, ouais, je disais qu'il n'y a pas eu trop de vues, mais bon, comme ça m'a fait plaisir, c'est pas très grave. Je sais pas du tout ce que je vais faire comme vidéo prochainement, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Du coup, on va se laisser là, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à plus, ciao ciao.